Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, ça va être notre 16e cours de conduite avec mon élève Laura. Donc voilà, là je lui ai déjà, au jour d'aujourd'hui, je lui ai déjà tout appris. D'accord, on a fait le cours dernier, on avait fait l'autoroute. D'accord, donc je lui ai tout appris à Laura. Donc voilà, donc là on va aller continuer à tout travailler, continuer à vérifier, peaufiner, faire les derniers petits réglages par-ci, par-là. Et puis voilà, d'accord, en vue de la préparation pour son examen. Et puis voilà, des questions Laura avant qu'on commence? Non, c'est bon. On y va? Là tu vas prendre la droite. Attends. Tu vas tourner à droite ici. Je fais comme À droite là. À droite là. Ici, ouais. Tourne à fond à droite. Et au bout, tu vas à gauche. Laura, t'as vu comment t'arrives vite? Tu freines même pas. Non, Oui, mais c'était c'est pas vrai qu'il faut que suffisant. je me réhabitue. Eh, il faut que je me Ah réhabitue. bah oui, Pardon, là, merci. là je suis obligé d'intervenir. T'arrives Ok. beaucoup trop vite là. Ok. Voilà, faut que tu freines davantage. On ira à gauche, s'il te plaît. Tu vois, c'est ici tout à l'heure. C'est maintenant. Je... Voilà, que là, t'as freiné, tu l'as bien pris. Donc là, ce petit carrefour à sens giratoire qu'on vient de prendre, de toute façon, vous le verrez dans son examen blanc qu'elle a fait avant avec mon collègue. Elle est arrivée beaucoup trop vite et du coup, il avait dû lui rattraper un peu le volant parce qu'elle allait taper la bordure. Et là, en arrivant plus sereinement, bizarrement, comme par magie, il n'y a pas besoin d'intervenir. J'avais pas envie de me faire chicoter encore. Hein. À l'intersection, tu iras à gauche, s'il te plaît. De là, tu suivras la direction de la A104.
tu continues tout droit. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Toujours tout droit. D'accord. Hop là, hop. Je te reprends le volant. D'accord. Eh ouais, pourquoi je t'ai pris le volant? J'ai allé trop à droite. Ouais, certain. Mais pourquoi t'as allé trop à droite? C'est à cause du... Quand je voyais le virage, là, et... ça m'a perturbé, donc du coup j'ai voulu prendre. Eh ben voilà. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais pu faire tout simplement qui m'aurait évité d'intervenir? Ralentir. Tu vois? Ouais. Alors si tu le sais aussi bien, pourquoi tu l'appliques pas? C'est après coup, je te jure, c'est après coup, je sais pas, c'est après coup. Ouais. T'es sûr que ça a passé, quoi. Mais non, faut pas être sûr. Ça vire un peu. Il y a un petit virage, un petit peu de frein. Toujours. Peu importe le virage que vous prenez, peu importe, vous freinez. Okay. Après, en fonction du virage, tu vas plus ou moins freiner. Tu t'adaptes. Okay. Là, par exemple, là, tu n'allais pas mettre un gros coup de frein pour un petit virage comme ça. Oui, oui. Mais là, tu n'as absolument pas freiné. Et boum, intervention. Okay. Tu vois, entre guillemets, bêtement, tu vois, ça va vite. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai, t'as raison, parce que c'est le côté 50, et du coup, ben, ouais. Je fais 50, et après, quand je vois ça, je me dis, ben, toujours du pep, si tout, il faut rester. Ouais, je sais pas réfléchir. D'accord, faut vraiment faire attention, d'accord. Surtout qu'en plus, vous savez, entre guillemets, le plus dangereux, c'est quand tu commences à t'habituer avec un élève qui est bon. Donc, vous avez vu, ça fait un petit moment, je lui fais pas de remarques, j'ai rien à lui dire, elle roule. Presque, on s'ennuie plus qu'autre chose, quoi. Tant mieux, hein. Tant mieux, c'est bien, j'aime ça. Mais vous voyez, il suffit d'un petit truc et boum, on casse tout. Ouais. T'as vu, mais vraiment un tout petit truc. Hein, voilà, elle s'est dit, bon, j'ai pas besoin de freiner. Ça le fait, elle a serré à droite, j'ai dû intervenir. C'est ça ma phobie en plus. Hein. Voilà, donc faut vraiment applique ouais. Toujours le code jusqu'au bout. Pas de relâchement, d'accord. Pas de relâchement, ne vous relâchez pas. On lâche pas, c'est une demi-heure à l'examen, on ne lâche rien. Pourtant, c'était très bien parti, à rouler... Voilà, roule, j'ai rien à le dire, elle fait ses contrôles, elle met ses clignotants, elle a bien respecté les stops, l'observation est très bonne. Pff, rien à y redire. Mais malheureusement, la grosse tache sur le tableau, voilà, c'est la petite intervention à cause de ça, parce qu'elle s'est relâchée
une seconde. Simplement une petite seconde. Et c'était trop. Et ben voilà, une seconde de trop, comme on dit. Oh là là, les bouchons. Franchement, c'est déprimant, les bouchons. On sent que c'est le retour des vacances. Hein. Ah, laisse tomber. Ouais. Puis, ouais, je sais pas comment. Bon, on a bien profité, hein, mais. Après, moi, si c'est bouché le jour d'examen. Oui, oui, hein, tant mieux pour toi. Hein. Ben, ça, c'est sûr. Hein. Vous dormez, moi, il n'y a pas de soucis. Voilà. Je fais toujours des contrôles un peu ensemble. On est d'accord, même. On est complètement d'accord. Ah bah oui hein. Ah, si tu fais le taf, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que c'est important de bien rester concentré jusqu'au bout. Extrêmement, extrêmement important. Donc, à cette intersection-là, tu iras en face. Ah oui, non, tu m'as dit toujours qu'il y a quelqu'un. Voilà, j'y vais. Voilà, l'accélération que t'as mis là. C'est ça, voilà. C'est dangereux, hein. C'est pas bon, hein. Alors, ouais, j'ai pas eu besoin d'intervenir. Ouais. Elle a géré, mais si elle a continué à accélérer, là, j'intervenais, je la freinais, hein. Ouais, ouais, c'est... je me suis rendu. Voilà, fais attention à ne pas prendre d'allure. D'accord. Et là, tu prendras en face encore, voilà, cette intersection. Accélérer dans un rond, dans ah, un virage. Ok, ouais. Mais je te l'ai dit pourtant tout à l'heure, ça t'a coûté une intervention. Pour moi, je me suis dit, c'est tout droit. Arrête avec tes pour toi, t'es en train de tourner. Là, c'est pas pour toi. Ah, ok. T'es en train de tourner. Donc, tu tournes, tu freines. Je freine, ok. Ah, pourquoi chercher midi 14h? Okay. C'est à cause de ça, parce que vous vous dites, ah oh, ouais, mais c'est vite fait ou il n'y a pas besoin. Et boum, intervention. Okay. Et vous êtes les premiers surpris. Non. Okay, okay. Tu tournes, tu freines. Freine. Tu ne cherches pas à réfléchir. Okay. D'accord? Vous voyez, pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dû intervenir parce qu'elle s'est dit, oh, il n'y a pas besoin. Et là, elle a recommencé encore dans ce virage, elle s'est dit, oh, il n'y a pas besoin. Et regardez, au final, j'interviens. En tout cas, là, j'ai dû l'engueuler et elle s'est rattrapée. D'accord? Mais si je ne l'avais pas engueulée, elle aurait continué, j'aurais pu toucher le volant ou les pédales et c'était fini pour elle. D'accord? Donc, on vous dit, on vous le répète, tu prends un virage ou tu prends un tournant complètement à gauche, complètement à droite, tu freines, tu cherches pas à comprendre, tu freines. J'ai pas dit tu t'arrêtes, hein. Attention. J'ai pas dit tu t'arrêtes. J'ai dit bien tu freines pour faire ralentir ton véhicule. D'accord? Mais arrêtez de prendre des virages sans freiner. Vous allez vous faire éliminer. Ok? À la prochaine intersection à gauche, s'il te plaît. Priorité à qui ici? Voiture en face. Pourquoi? Car ils ont un feu. Ouais, et c'est tout? Ils ont un feu et puis ils sont à ma droite. Ouais, voilà. D'accord. Il n'y a personne, hein? Ah oui, mais je pensais que c'était un feu aussi. Bah ouais. Ah non. Waouh. Allez, on se concentre, on se concentre. C'est bon.
l'intersection à gauche. Derrière, madame. Ok. Tout droit. À l'intersection en face. On l'a dit en face comme le bus, hein, d'accord? Ouais, ça va. C'est pas très intelligent ce qu'a fait. Hein. Mais bon, après, je vais pas te mentir, tout le monde le fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention devant ou derrière les bus. Mm-hmm. Là, on va tourner à l'intersection à droite. Tu vas surveiller quoi? Mon rétroviseur droit et mon angle mort droit. Ok. À cause du vélo aussi. Bah, à cause des vélos, c'est très bien. Excellent. Tu continues tout droit, s'il te plaît? Priorité à droite, très très bien. À la prochaine intersection, tu prendras la première sortie. Ok? Excuse-moi, j'aurais dû être plus clair, c'est de ma faute. D'accord. Parce qu'il faut qu'on aille mettre du carburant. Parce que, regardez, il me reste 0 km d'autonomie. Regarde bien, réfléchis à ce que tu fais, ah, s'il oui, te plaît. Oui, oui, oui. Prends le temps, là tu es en sens inverse. Ouais, ouais. Voilà, tourne à gauche. Voilà. Voilà. Donc là, on va aller mettre le carburant. Tu vas prendre. Alors là, c'est très étroit. Hein. Va à gauche. Ouais, c'est extrêmement étroit. Voilà, prends-le bien large et vraiment lentement. D'accord. Large. Lentement, lentement. Oui. Là, c'est trop rapide. Ah, vas-y. Mais je viens de te dire de faire ça doucement. Mais non. J'ai plus ce frein. Non, très lentement. Plus c'est étroit, d'accord, plus tu ralentis. Okay, d'accord, vas-y. Vas-y, continue. D'accord. Et on va prendre celle-ci à gauche, là. D'accord. Ouais, tout de suite à gauche. Là. Braque à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, ah, à gauche. D'accord. Stop. Tu veux que je la ramène un peu derrière? Ouais. Tu fais une petite marche arrière et tu colles, tu colles à gauche. J'avoue, là, j'ai joué le vaillant, là. Je ne peux pas vous mentir, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, Inch'Allah, ça ne s'arrête pas, Inch'Allah, ça ne s'arrête pas, en plein milieu de la route. Voilà, serre bien. Voilà, là, je vais pouvoir aller mettre le carburant tranquille. Recule encore. Recule encore, encore. Voilà. Super. Bon, ben là, le cours est terminé, je vais mettre le carburant. J'espère que, voilà, comme d'habitude, le cours vous a plu, qu'il vous a aidé. Moi, je vous dis bon courage à tous et je vous dis à très bientôt.